Direction la Haute-Marne à présent avec trois jeunes étudiants en cinéma qui ont investi pendant 10 jours la petite commune de Après. Ils y tournent un long métrage avec de petits moyens, mais heureusement avec l'aide de la population. Vous allez voir, les habitants se sont prêtés au jeu et ils ont joué la comédie le temps du tournage. Stéphane Zelenescu, Olivier Maillère. Scène numéro 12, prise numéro 1, action. La commune d'Après accueille depuis quelques jours une équipe de tournage. Cadreur, preneur de son, travaille sous la direction de trois jeunes passionnés et étudiants en cinéma. Ce jeune réalisateur tourne ici son deuxième long métrage. Derrière ce projet, derrière ces 9 jours de tournage, il y a 8 mois de préparation en amont. Donc c'est pas facile, c'est surtout quand on a les études à côté et tout ça, mais c'est toujours très passionnant. Et quand on voit que tout le monde est mobilisé sur le tournage, ça fait vraiment plaisir d'avoir pris le temps de monter le projet. Un film soutenu par les foyers ruraux de la Haute-Marne. Son histoire, une comédie sur la vie joyeuse d'une bande de villageois autour d'un crime mystérieux. Sachant que je veux travailler là-dedans, et ouais, le cinéma c'est une passion, on va dire, pour l'instant, c'est le début d'une passion en tout cas. Et du coup, le fait d'avoir mené ce projet et que ça vienne de nous, bah, c'est quelque chose de... Enfin, je suis fière, quoi. Je suis fière de pouvoir dire qu'il y a des gens qui se sont mobilisés pour notre projet. Et puis, ça me permet de passer le temps tout en ne perdant pas mon temps, justement. Face à la caméra, le confessionnal, avec il cette scène dans l'église. Une partie de l'intrigue est sur le point d'être révélée. Alors, que vous est-il arrivé, mon fils ? C'est le baron qui l'a tué. Oh Seigneur, mundi placet et spiritus minima. Hein ? Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Mais ça résume bien la gravité de la situation. Et là, c'est aux acteurs de se mettre dans la peau des personnages, comme pour le père Philibert. Assez difficile, mais je le suis pour l'instant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour ne pas le perdre. Mais bon, j'ai été beaucoup à la messe, hein, pour essayer de justement m'imprégner de ce personnage. Avec la reprise des cours pour ses étudiants, plusieurs mois seront nécessaires pour terminer le montage. Mais déjà, plusieurs projections sont prévues et très attendues dans cette commune du sud de la Haute-Marne. Ah bon ? En cyclisme.